J'ai créé Le Lézard Noir il y a une vingtaine d'années suite à une rencontre avec Suero Maru. J'étais allé chez lui et on avait sympathisé. Et en rentrant en France, je me suis dit que c'était presque une. C'était dommage que ces œuvres ne soient pas éditées en France. Et voilà, je me suis lancé. Le nom Le Lézard Noir est venu tout seul. Et j'ai eu envie de présenter auprès du public francophone. Des pans méconnus de la culture graphique japonaise qui m'intéressaient à l'époque. Et j'ai toujours eu envie d'être au cœur de l'information. Et en créant Le Lézard Noir, ça me permettait d'être au centre et d'avoir les informations sur les auteurs qui me plaisaient. Alors, les objectifs du Lézard Noir en tant que maison d'édition, c'est de se renouveler dans un monde qui est en perpétuelle mutation. La perception du manga est très différente aujourd'hui qu'il y a encore 5 ans. Et je me sentais un petit peu à l'étroit dans notre format. Enfin, on a un seul format, grosso modo, qui est le 15-21, qui soit encartonné pour les titres plus patrimoniaux ou en brochet pour les auteurs un peu plus récents. Et on a vu passer plusieurs titres qui nous intéressaient, mais on ne les voyait pas en grand format, soit parce que les thématiques étaient plus grand public peut-être, ou parce que il y avait déjà une tomaison un peu importante. Donc ça fait peut-être 5 ou 6 ans qu'on avait envie de s'expérimenter au petit format. Non pas pour faire comme les collègues, mais vraiment pour avoir un format plus adapté à certaines séries. Alors le titre pour lequel on a le plus d'attente et d'espoir, sans contexte, c'est Hirayasumi de Shinzo Kego, qu'on suit maintenant depuis 7 ou 8 ans, qu'on avait invité à Angoulême il y a 4 ou 5 ans. Parce que c'est un auteur qui est arrivé à maturité, même s'il était déjà mûr, je pense, dès son premier ouvrage, l'auto-école Moriyama, qui est peut-être mon préféré. Et cette série est une série apaisée, où graphiquement, il atteint son dessin est à la limite de la perfection, je trouve, et sa manière de raconter les histoires aussi très agréable. Alors j'ai lu que le premier volume, on va sortir le deuxième bientôt. Je suis assez impatient de voir comment, comme vous tous en fait, comment ça se déroule. Donc je dirais celui-ci. Mais après, en termes d'histoire, celui qui me plaît peut-être le plus, c'est Oshi dans le Jardin des filles, qui est une série sur un professeur de lycée pour filles et on voit tout un tas d'étudiantes qui projettent des fantasmes, alors pas des fantasmes érotiques ou autres, hein, des fantasmes psychologiques sur leurs professeurs et qui s'interrogent à savoir pourquoi les professeurs réagissent comme ci, comme ça. J'ai trouvé que l'humour était assez décalé et ça m'a beaucoup plu. Alors c'est vrai qu'au début, le Lézard Noir avait cette connotation romantisme noir et japonisme décadent. Mais j'avais pas envie d'être, comment dire, enfermé dans cette image de l'éditeur avant-gardiste, poitevin, qui sort des œuvres improbables. Je m'intéresse effectivement à tout ce qui est un peu en marge d'un point de vue de la recherche expérimentale, graphique, architecturale ou autre. Mais je m'intéresse aussi à des choses tout à fait normales. Et peut-être aussi qu'en vieillissant, j'avais envie de faire des titres plus. Plus, alors pas feel good, mais sur la chronique sociale. C'est quelque chose qui, moi, m'intéresse, de comprendre la société japonaise, comment elle évolue. Alors c'est vrai qu'on a peut-être mis de côté un petit peu ce qu'on appelle le mauvais genre dans le catalogue du Lézard Noir, mais c'est parce qu'on a sorti aussi beaucoup de séries qui étaient moins mauvais genre, mais au final, il y a quand même plusieurs titres dans cette mouvance-là, et on en a plusieurs à sortir. On va rééditer des vieux Mario, on a une anthologie de Kazuhiro Miyaya qui est assez torride, on a prévu de faire un Byron Yoshimoto. Donc ce type d'ouvrages qui font l'ADN en fait de ce qu'a été le Lézard Noir de la première génération est toujours là, et je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des titres toujours décalés dans ce style-là apparaître prochainement.